Salut l'équipe, est-ce que vous allez bien? Pas trop moi, je vais pas te mentir, hein, la vraie journée de merde que j'ai passée. Bref, on va en discuter. Bien sûr, aujourd'hui, c'est un pack opening. Et vu que je suis d'humeur mélancolique et triste aujourd'hui, ouais, je pense que ça va pas être marrant cette vidéo. Non, la vérité, on va essayer de rigoler un petit peu, délirer. En plus, il y a des packs à ouvrir, suffirait juste qu'ils m'envoient du lourd dans les packs. Mais j'ai tellement de la merde en plus, je suis en train de me dire, je vais tourner cette vidéo, je vais rien avoir, je vais être dans un pire état que avant de la tourner. Non, je rigole, rien de bien fou dans ma vie, les gars, je vais ouvrir les packs, tu sais quoi. Il y a plein de nouveautés, je verrai ça plus tard, je vais ouvrir les packs, on parle, on discute. Oh la tête de moi, on commence par une animation, je t'ai dit, aujourd'hui ça peut bien se passer. Ma parole, cette vidéo peut bien se passer, en vrai de vrai, elle peut remonter le moral et c'est au bac. Et non, c'est comment il s'appelle, je ferme les yeux, Marek Hamsik, la famille. Et oui, Hamsik 87, le premier pack à 25 000, Marek Hamsik, ma parole. Déjà c'est bien, pour un... Oh, toi la tête de moi, tu faisais pas un bruit, tu bougeais pas depuis tout à l'heure et maintenant les vidéos, tu commences à te tourner dans tous les sens. Mais tu as un souci mon pauvre. Mais la tête de moi, il a un souci ce chien. Marek Hamsik la famille, super content de ce premier pack. Franchement, un pack à 25 000, taper Hamsik direct. Ça fait plaisir, Hamsik avec de l'offre. Ok, bah franchement, c'est un bon pack, je vais garder Hamsik. Peut-être que ça va me servir pour les SBC. Là, j'ai vu qu'il y avait Hazard Player of the Month. Donc les gars, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que je sois... Attends, je vais lui ouvrir la porte au chien, comme ça il arrêtera de me faire chier, hein. Ah, c'est mignon les chiens, c'est mignon, hein. Mais vous savez pas ce qui s'est passé quand je suis rentré, hein, ce soir, hein. Il y avait une boîte de cacao, tu sais quoi le cacao Nesquik? Par terre, du Nesquik dans tout le salon, par terre, ça faisait un slalom. Et je prends mon chien, je sens l'odeur qu'il a, il sent le cacao. Non mais c'est bon au bout d'un moment, et ça, c'est nul comme vie ça. C'est pas ça que j'ai choisi comme vie, mais c'est la vie qu'on m'obtient, qu'on m'a donné, hein. Force est de constater que je raconte que de la merde, bref les gars. Allez, on ouvre le deuxième pack, franchement on a acheté sur le premier, ça m'étonnerait qu'on chatte sur le deuxième. Mais qui sait, peut-être que ce soir c'est notre soir. J'espère, parce qu'aujourd'hui, en tout cas c'était pas notre matin. Donc ce matin les gars, je me réveille. Alors je vais vous dire, hein, première fois de ma vie que je dors au local. C'est-à-dire qu'on a un local, vous le savez, et j'ai dormi là-bas pour une fois. Tu vois, généralement je dors pas là-bas. Donc d'ailleurs je me suis aménagé le local, maintenant j'ai un setup là-bas. Donc là on a la fibre optique qui arrive normalement, mercredi prochain. Il installe la fibre, le mec, le technicien Orange, il vient installer la fibre. Donc on aura vraiment la fibre optique, la vraie de chez Orange, la bonne, qui marche super bien. Donc on pourra enfin travailler depuis là-bas. Donc il y aura beaucoup de vidéos qui seront tournées là-bas. Il y aura également beaucoup, mais surtout beaucoup de lives qui seront tournés là-bas. Donc bref, je reviens à mon histoire. Donc hier soir, je devais rentrer chez moi, comme d'habitude, comme tous les soirs. Et je me suis dit, vas-y, je vais dormir au local parce que j'ai mal à la tête. J'avais trop mal à la tête, j'avais vraiment pas... Franchement j'avais pas envie de prendre la voiture avec le mal de crâne, tout ça, rentrer chez moi. Non, j'avais mal à la tête, je m'allonge et je m'endors. Je m'endors, je me réveille le lendemain matin, donc aujourd'hui, ce matin, 10h, je me réveille la famille. Je me réveille, tranquille, je prends un café, je sors, je récupère ma voiture. Et merde, c'est là que ça se corse les gars. Vitre cassée, voilà, vitre cassée. Ensuite j'ouvre la voiture, je constate, hein, je peux faire que constater, la voiture sans dessous dessous, voilà, je pense que c'est les, j'ai adopté les bons termes, le bordel dans toute la voiture, de partout le bordel, tu sais là où tu mets, il y a la roue de secours là, t'enlèves une truc, le truc elle est au milieu de la voiture, les sièges arrière ils sont rabaissés, le bordel dans ma voiture, je pensais qu'ils allaient tout voler, ils ont laissé tout, mais ils ont bien sûr volé le plus important. Mais voilà, ils ont pas volé mon badge télépéage. Je suis content quand même parce que le mec il aurait pu aller retourner en Allemagne avec mon badge. Mais c'est vrai que c'est un peu con parce que on aurait pu le retrouver avec les caméras de vidéosurveillance. Voilà, mais bon, ils m'ont quand même volé pas mal de choses. Bref, la journée commence mal. Après, les gars, je vous dis la vérité, j'habite à Grenoble. Grenoble, c'est pas une ville, c'est pas une ville réputée calme où il se passe rien. Les gars, non, c'est plutôt une... Oh, non, c'est Riménez vu qu'il n'y a pas eu d'animation. C'est plutôt une ville où il y a souvent les vols, tout ça. Les cassages de voitures, brûlage de voitures, ça se dit brûlage, on s'en fout si ça se dit ou pas. Voilà, je sais que Grenoble, c'est pas, voilà, c'est pas la ville la plus calme de France, la plus chill de France, non, rien à voir, mais voilà, je sais quoi, c'est la vie, on m'a cassé ma vitre, on m'a volé des trucs dans ma voiture, c'est la vie, ça fout la mort quoi, au réveil, je suis là, je devais faire un petit truc, je vois ça, je peux pas faire mon petit truc, j'ai le seum. C'est une journée de merde en fait, hein. Non, ça de toute façon, quand ça t'arrive, obligatoirement, ta journée, c'est une journée de merde. Donc, journée de merde aujourd'hui, pourquoi? Bah, je me retrouve à 11h, je dois aller porter plainte. À midi, bah, c'est fermé, mais à 14h, quand ça rouvre, je dois aller voir l'assurance auto. Ensuite, j'appelle mon assurance professionnelle, parce qu'il y avait des trucs pro qui m'ont volé.
En plus, il n'y a aucune assurance qui me rembourse les trucs que je me suis fait voler. Je te dis la vérité, c'est de la merde. Je paye des assurances, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour ça que c'est une journée de merde. Je me rends compte que mes assurances, c'est de la merde. Je me suis fait voler des trucs dans ma voiture. Je me suis fait casser la vitre de ma voiture. Je peux pas rouler normalement avec ma voiture. Je suis obligé de. Bah, je peux plus la sortir là parce que le mec, maintenant, si quelqu'un qui veut voler ma voiture, il a plus qu'à rentrer dans la voiture. La fenêtre est ouverte, mon frérot. Elle est pas ouverte, elle est pas là, la fenêtre. Non, la vérité, ça casse les couilles. C'est pas. Franchement, je m'en fous de m'être fait voler. C'est juste, ça m'a niqué ma journée en fait. J'avais plein de trucs à faire aujourd'hui, ça m'a niqué ma journée. C'est pas que je m'en fous d'être volé, mais voilà, c'est pas la fin du monde. Tu sais, il y a pire dans la vie que de se faire voler des petits trucs dans sa voiture. On m'a pas volé la voiture, on a cassé la vitre de ma voiture, on a volé des trucs à l'intérieur. C'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que c'est une journée de merde. Hein. Ouais, je l'ai répété 3-4 fois, mais c'est vrai que ça m'a bien cassé la tête aujourd'hui, hein, ce problème, ce souci. Donc voilà, l'équipe. Voilà pourquoi je suis pas non plus le plus joyeux au monde dans cette vidéo. Et que bah, y a d'autres choses pour lesquelles je suis pas joyeux. Et que bah, du coup c'est une vidéo qui tombe à pic pour en parler. Vu qu'aujourd'hui c'est une journée de merde. Autant qu'on parle de tous les trucs qui me font chier dans ma vie. Enfin qui me font chier dans ma vie, non, peut-être pas à ce point là. Dernier pack, hein, on va aller les ouvrir sur PC. Comme ça je pourrais encore vous parler 5-10 minutes. Oh la tête de moi, peut-être que ça va vraiment être le dernier pack. Peut-être que ça va vraiment être le dernier pack. S'il te plaît, on a eu un psych. On va avoir Alexis Sanchez. Écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour 10 packs à 25 000 d'avoir Sanchez, la tête de moi. Sanchez et Amsic 87. Je l'ai déjà packé hier, Sanchez, donc c'est du tout bénef. On peut même caler l'autre dans un SBC, je sais pas comment je ferai. Mais franchement, les 10 packs ont été sympathiques. Je l'avais déjà vendu direct Sanchez hier. Bah, parfait, je le garde au club. Bah écoutez, parfait. Allez, on passe sur PC et on continue la discussion. Allez, du coup, on reprend et on fait ça sur PC. Donc, bah, voilà, qu'est-ce qu'il y a de mauvais en ce moment? Bah c'est les vidéos, ma parole, ça marche pas du tout. J'ai sorti ma vidéo tout à l'heure avec Rafsou, de la coop, une bonne vidéo, un bon montage. Je vois, elle a même pas 1000 j'aime la vidéo. Alors ouais, je suis triste, bien sûr je suis triste, je vous dis la vérité, hein, tous les youtubeurs, les gars, quand nos vidéos elles marchent pas, on est triste, mais là plus que d'habitude, parce que là on installe une routine de vidéos qui ne marche pas. Pourtant les vidéos pour moi n'ont rien de mauvais. Donc je me dis j'ai pas envie de me remettre en question parce que je trouve que je fais du bon taf. T'as vu, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais j'essaye de vous proposer les meilleures vidéos possibles avec les meilleurs montages possibles. Je vous dis la vérité, donc ça marche pas. Je me dis au bout d'un moment, ça peut pas être de ma faute, c'est de la faute d'autre chose. Et bah pour moi, la faute, j'ai tout trouvé. Maintenant, à mon avis, tout ce qui est gaming, les vidéos en soi, c'est. Ah, ouais, non, en fait, ouais, tout ce qui est gaming, les vidéos, oui, ça peut marcher, mais de manière régulière, comme moi je fais ou comme tout le monde fait, hein, mes collègues et moi, je pense que ça marche plus trop. Maintenant, ce qui marche vraiment, c'est qui ça? Chelsea, David Luiz, c'est vraiment une bonne carte pour ce pack opening, encore une fois. Donc franchement, c'est les lives qui ont pris le dessus, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est le streaming qui a pris le dessus. Tu sais quoi, il n'y a pas de souci, je vais me mettre au stream. Non, je me suis déjà mis au stream, je kiffe les streams. Mais c'est peut-être un truc que j'ai remarqué. Dites-moi si vous pensez pareil, mais maintenant, on a plus envie de se poser sur un stream de quelqu'un que de regarder ses vidéos. Et c'est compréhensible, le marché, on va dire, il a changé. Les gens grandissent aussi, faut pas oublier plein de choses. De toute façon, il y a plein de points à aborder, je pense, sur le fait que les vidéos ne marchent pas. Pourquoi, il y a plein de raisons possibles. Quand je dis j'ai pas envie de me remettre en question tout ça, non, je fais des bonnes vidéos. Je m'attends pas à ce qu'elles fassent 300 000 vues, hein. Je vous dis pas ça, les gars. Quand je vous dis je trouve que je fais des bonnes vidéos, je comprends pas pourquoi elles marchent pas. C'est à dire que là en fait les vidéos bident vraiment, elles ne marchent pas du tout. Donc et moi je déteste remettre la faute sur YouTube, bug de notification, tout ça. Non, moi j'ai passé cet âge là, j'ai pas envie de vous dire c'est des bugs de notification, tout ça. Surtout que c'est régulier que les vidéos ne marchent pas. Attendez, c'est peut-être une bonne carte ça. Portugal, MDC. Tu sais que si c'était une animation portugaise, ça aurait été Ronaldo, sachez-le. Normalement c'est ça, hein. En or, hein, en joueur or. Des fois il a encore OTW, je sais pas comment ça marche tout ça moi. Non mais voilà, forcément, t'es là, bah, ça a bien marché au début de FIFA. Et ce que j'avais dit dans la vidéo, le vestiaire au début de ce mois-ci, ce que je vous avais dit, c'est que je suis pas fou. Je sais que ma chaîne, elle a bien marché au début de FIFA. Et là, je sais que ça marche plus du tout. Toutes les vidéos FIFA ne marchent pas, sauf les packs opening. Alors je sais pas si celui-ci marchera vu que c'est pas non plus la grande forme de mon côté. Je suis désolé encore une fois. Mais voilà, toutes les vidéos fans ne marchent pas du tout en fait. Alors FIFA, je pense pas que c'est mort. Je pense qu'on est toujours autant à y jouer. Je pense juste que maintenant les gens préfèrent regarder ça en live. Et je vous comprends bien. C'est pour ça que moi il y a moyen que je fasse beaucoup plus de live. Et quand je sors une vidéo, c'est peut-être une vraie vidéo bien. C'est peut-être ça. Peut-être ma manière de travailler dans le futur, ça va être ça. Faire beaucoup beaucoup de live. Mais parce que c'est kiffant les lives, c'est le meilleur. Le live, c'est le meilleur des trucs à faire. Donc je pense m'orienter là-dessus un peu plus. Faire un peu moins de vidéos, je sais pas.
ou toujours être autant actif en vidéo, mais bon, si tu t'investis sur une vidéo, que tu fais un bon montage, tout ça, pour que derrière, t'as 2% de ta communauté qui voit la vidéo, 2% de ton chiffre d'abonnés plutôt qui voit la vidéo, c'est vrai que ça fait chier, hein, ça fait chier. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, soyons honnêtes avec vous, ça fait chier. Voilà, moi, quand je fais une vidéo avec Rasu, 2v2coop, yeah, excusez-moi, j'entends des bruits bizarres. Bon, j'ai eu l'Eno dans ce pack, je vous ai même pas montré. Il nous reste du coup plus qu'un pack à ouvrir. Et bah moi, il n'y a pas de secret pour moi. Si ça marche moins bien, je vais travailler deux fois plus. Tout simplement. Voilà, il faut se remettre en question aussi. Même si je vous ai dit, je trouve que je fais des bonnes vidéos. Oui, c'est bien, yo. Mais tu peux aussi faire plus, tu peux aussi faire mieux. Et c'est ce que je vais essayer de faire, continuer de faire. Mais voilà, t'as capté aujourd'hui dans ce pack opening sur PC, c'était pas chanceux. Hein. T'as bien vu que sur Xbox, on a été chanceux. Quand tu voulais 10 mêmes packs sur PC, tu vois que c'est pas aussi chanceux. Hein. Donc, ben voilà les gars, hein. Excusez-moi hein, pour l'humeur du jour. Je peux dire que j'ai pas eu la meilleure des journées de ma vie, hein, on est d'accord. J'ai vu, il y a le SBC hasard, comme je vous ai dit, il y a des jolis packs. Et je pense que je vous retrouve pour une vidéo pack opening bientôt avec les gros packs du Eden Hazard. À mon avis, on va faire ça. Comme ça, ben, on sera un peu plus joyeux. Ce sera une vraie vidéo fun, tout ça. Mais là, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, c'était pas le fun total. Mais on a eu un peu de chance, tu vois. En tout cas, rien n'a changé. Toujours aussi déterminé, toujours aussi motivé. Toujours aussi heureux de faire ça, là, de faire des vidéos. Toujours aussi heureux. Même si aujourd'hui, je conçois, t'as pas l'impression que je suis heureux. Mais si, oui, c'est aujourd'hui, t'as capté. Non mais voilà, la vérité, moi j'aime bien aussi faire ce genre de vidéo où je vous parle, mon ressenti, tout ça. Je sors beaucoup de vidéos en fait, je pense que je peux caler facilement des vidéos où je vous parle un petit peu. J'aime bien faire tous les mois l'épisode du vestiaire, je vous raconte la chaîne, l'envers du décor, comment ça se passe, comment je vois les choses. Moi je trouve que c'est important parce qu'on a quand même forgé un lien. J'ai une vraie communauté. Je te parle pas de mes 960 000 abonnés, je crois. Je te parle pas de ça. Moi je te parle des 30 000 personnes qui sont là à toutes les vidéos. Ça c'est une vraie communauté, c'est des mecs. J'imagine, ils m'apprécient. Sinon, ils seraient pas là à toutes les vidéos. Donc je pense que c'est presque comme une relation d'amitié en vrai. Ma parole, c'est presque comme une relation d'amitié. Sauf que forcément, je peux pas être votre ami à tous personnellement. Parce que voilà, j'ai qu'un cœur, je peux pas aimer tout le monde. Mais vous avez compris, moi, ça me fait plaisir de vous parler à tout cela. De vous raconter ma life. Parce que de toute façon, la vie de chacun, elle est faite de galères, elle est faite de joie. Et si je peux vous partager mes joies, mes galères, tout ça sur ma chaîne YouTube, ben moi, je suis content. Je suis content parce que ça me fera des souvenirs pour ma vie. Là, dans 6 mois, j'aurais oublié que je me suis fait voler ma voiture aujourd'hui. Enfin, voler, t'as capté, casser la fenêtre, tout ça. J'aurais oublié, mais ma chaîne YouTube me le rappellera. En plus, moi, j'ai des soucis de mémoire, la vérité. J'ai peur d'avoir la maladie d'Alzheimer quand je serai grand, malheureusement. J'ai des soucis de mémoire, je me souviens de rien dans ma vie, je te dis la vérité. Donc faire des vidéos YouTube aussi, ça me permet d'avoir des souvenirs. Après voilà, des packs communes comme ça, je les re... À mon avis, je vais pas les re-regarder, mais t'as capté les grosses vidéos, tout ça. Mes vacances à Dubaï avec Faïz, avec Idriss. C'est des trucs que je re-regarderai plus tard. Voilà, moi, c'est vraiment un kiff de vivre de ça, je compte pas laisser passer ma chance. Donc voilà, aujourd'hui, vu qu'on était d'humeur triste, ben, autant vous raconter les petits problèmes qu'on vit en ce moment. Mais vous inquiétez pas, la joie de vivre, elle est toujours présente, tout ça. C'est juste aujourd'hui... Grosse journée de merde et je crois que vous l'avez compris. Passez une bonne journée mes amis, mes frérots. J'essaye de vous sortir un gros pack opening avec les packs du hasard SBC là d'ici 2-3 jours. Ciao la famille, c'était le Yo.